Salut à tous, c'est Anonymat74 et on se retrouve donc dans Mage pour l'épisode 11 pour la snapshot 12W37A. Donc quelques nouvelles trucs. Donc vous avez vu que j'ai fait du tri, il y a plus de 30 000 trucs. Donc alors on va regarder les nouveautés comme d'habitude. Il y avait ça, vous vous rappelez si vous avez vu l'ancien épisode. J'avais montré les commandes blocs, comment ils marchaient. J'avais aussi montré les enchanteurs. Alors, les nouveaux trucs. Donc, pour commencer, donc, dans la nourriture, il y a maintenant un pumpkin pie, donc une tarte à la citrouille. Voilà. Ensuite, donc les carottes, la texture a changé, il me semble. Ensuite, autre point intéressant au niveau de carottes stick, c'est que les cochons maintenant peuvent sauter. On fera le test tout à l'heure. Ensuite, je crois, ah oui, la texture des donc, du casque, des jambières. Attends, on va se faire un petit stuff comme ça. Là, ont changé. Donc, si vous avez un pack de texture, ce sera plus à jour. L'ajout d'une commande donc slash clear pour vider son inventaire. Donc là, ça marchera pas vu que je suis en mode. J'ai pas encore testé ce que ça donne. Ouais, enfin, ça fait des jambes bizarres. On la colorera tout à l'heure. Alors d'abord, on va trouver un cochon, hein, je pense. Ce sera bien pour commencer. Un peu un pléonasme ce que je viens de dire. Ok, allez. On lui fout la selle. On le monte. Il me suit. Alors moi, j'avais spammé je sais pas quel bouton. Et des fois, j'ai des pics de lag, voilà, comme ça un peu. Je sais pas si vous avez vu. Et des fois, il va vachement vite. Enfin, c'est bizarre. Je lag un peu. Vous voyez que maintenant il peut sauter. Oui, il va vachement vite. Donc si vous vous baladez dans des plaines ou des trucs comme ça, c'est assez pratique. Ah oui, l'autre fois j'avais oublié de préciser aussi, il y a l'option full screen et vesicle, je sais plus ce que c'est. Pas grave. Alors, je crois qu'il n'y a rien de nouveau dans les options. Ah peut-être, un truc que j'ai pas regardé, c'est. C'était quoi ça déjà? Ouais, non, il n'y a pas de nouveaux achievements, on sait jamais. Hein. Alors, donc, en premier temps, on va voir. C'est ça, arrête de voler. On va voir donc, comment crafter la pumpkin pie. Donc, si je dis pas de bêtises, si je dis pas de bêtises, hein, il nous faut donc pour crafter ça, il nous faut. Attendez. Donc un œuf. Et donc une citrouille. Attendez, ça fait du bruit, c'est chiant. Une citrouille. Je sais plus où elles sont. C'est dans les blocs. C'est bizarre ça d'ailleurs. Tac. Donc une citrouille. Et. Du lait peut-être, je sais plus. Je sais plus exactement. Attendez, petite coupure.
Je suis allé regarder, en fait, c'était pas exactement comme ça. Donc c'était avec une citrouille, de l'œuf et j'ai oublié le sucre. C'était logique pour faire un gâteau. Merde. Pour faire un gâteau. Bien que ça doit être assez spécial. Donc voilà, on a la pumpkin pie. Autre point, donc avec la canne à pêche, 140. Donc maintenant, chose qui je trouve qui est bien, ça nous fait gagner de l'XP. Donc là, comme vous voyez, le fil n'est pas en rapport. Mais si vous l'avez pas comme ça, vous voyez qu'on a entendu le bruit de l'XP. Donc si vous avez la canne à pêche qui est bizarre, le mieux c'est d'enlever le champ de vision. Et là, elle sera bien nette. Donc ça rapporte de l'XP. On avait pêché avec Dark Moon l'autre fois sur Game of France. Il avait une chance de malade mental. À chaque fois, il avait pêché 20 poissons en quelques minutes. Bon, ensuite, en hardcore, l'IA des mobs a été changée, il me semble. Ils avaient dit. Ensuite, qu'est-ce qui a changé? Je crois que c'est tout par ça. Ouais, je crois qu'il n'y a pas eu de nouveaux trucs. Sinon, si j'ai oublié des choses, je le mettrai soit dans la description ou bien dans une autre vidéo. Ouais, je crois qu'on a fait le tour. Ah non, non, non. Point intéressant. Donc, quand on fait créer. Donc, pardon. Là, il y a le bouton recreate. Ça veut dire qu'en fait, vous pouvez recréer la map. Par exemple, là, je la refais. Tac. Je la recrée. Et par exemple, si je veux refaire un truc de mage, ça me reprend le seed et ça me recrée la map à partir de laquelle où j'étais au début. Bon, sans les items et tout, mais c'est pour faire un. C'est. Vous voyez, c'est comme au début. C'était tout propre, il n'y avait pas de trous. Il y avait encore des arbres. Des trucs. Donc voilà, si jamais je vais vous faire une vidéo genre nostalgie. Et ensuite, crée nouveau monde. Quand vous allez dans. Non, pardon. Donc on va se mettre dans créatif. Monde plat. Maintenant vous avez customize. Donc c'est super bien. Vous pouvez donc par exemple enlever les layers. Mais vous pouvez faire des mods à votre image. Par exemple, le classique flat. Soit. Bon, apparemment, tuner, stream, je pense que c'est des mais. Et vous pouvez mettre en haut les blocs que vous voulez, à la hauteur que vous voulez. Donc, Waterworld, ça fera un océan. Overworld, je pense. Je sais pas, j'ai pas tout testé. Tiens, on va tester celui-là, je sais pas ce que c'est. Il a l'air normal. Faire ça fait quoi? Donc, vous voyez ce qui est ajouté. Donc, on essaye. Allez. Bon, ça vous fait toujours un monde plat, hein. C'est juste que ça change un peu les blocs. Peut-être qu'on est plus haut, vous pouvez mettre la terre plus haut. Donc vous voyez que là, on a plus de trucs pour. Que là, c'est une map plate, sauf qu'on peut creuser. Voilà, par exemple. On va toutes les faire. Hein. Juste supprimer. Tac. Comme ça vous fait un aperçu. Alors, presets, on va essayer Overworld. Donc concrètement, c'est la même chose. Et après, je vais essayer. Bon, je vous laisserai faire. Et je vais faire une customise de moi, tout simplement. Ça a l'air relativement. Ah, ouais. Alors, est-ce que c'est un bug? Qu'est-ce que c'est? Ou alors, c'est pour donner de la hauteur, pour creuser. C'est assez arbre. Je vais quand même mettre le F3. Là, on est à 146, 60, 160. On me dépassait maintenant au compteur. En sachant qu'on peut monter jusqu'à 256. Ah, oui, c'est ça.
Oui, Overworld, ce qui veut dire la fin de. Ok, d'accord. Bon, je sais pas si c'est un bug. Et après. Oula. Je bug. Je suis coincé. Attendez. Et je suis complètement bloqué là. Je vole. Non, c'est bon. Donc, il y a encore de la descente. Ok, donc vous avez vu à peu près. Et maintenant, je vais faire une customise avec le bel accent. Tac. En vitesse. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un classique flat. Et on va ajouter. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Donc, alors, comment ça marche exactement? Donc, bon, 7, je sais que c'est l'aluminium. Alors, attendez. Donc, ça ferait comme ça. Je sais pas, on va mettre n'importe quoi. On va dire 20, point virgule 3. 9, je crois que c'est la lave. Ouais, ça doit être ça. Point virgule. J'ai dit virgule. 2. Allez, on va essayer. J'ai dû foirer. Bien comme il faut, même. Ouais, enfin, j'ai pas encore tout compris de comment ça marche. Oui, certains trucs peut-être que je peux pas mettre aussi. Par contre, du coup, ils ont l'air plus longs à charger. Bizarre, j'ai l'impression que le chargement du monde, la construction du terrain, il n'est pas centré, c'est bizarre. Enfin, c'est une impression, après, je crois. Ah! Ok, ouais, donc j'ai foiré, j'ai fait une classique map. Ah! Donc, sur cette mort pitoyable. Tout de suite. On va se quitter avec un slime là-bas. J'ai envie de tuer. Tire pas plus loin. C'est bizarre, dans mes souvenirs, ça tirait plus loin. YouTube. Ah ben voilà, je me disais je suis meilleur à l'arc. Je vais voir le petit là. Bon, je vous dis à plus. C'était Anonyme Matt 74. Yes, à plus tard.